Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Car ta parole est la vérité. Bon Dieu béni vous. Amen. La paix avec vous. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Nous disons bon Dieu merci. Encore est-ce que nous sommes capables là, dans le même lieu, dans la même l'heure, nous continuons à faire le même travail là. Et tant qu'on nous toujours dit, pas bon côté pour tailler, pour tapiller. Pas bon beau. L'eau dans une place pareille, chargé avec bel monde comme ça, il est habillé, il est frais, pour chanter grande en fidélité. Ô Dieu, mon Père, chez toi, nulle trace de changement. Combien de monde qui croit mon Dieu grand matin? Vous croyez mon Dieu fidèle matin? Oui, il est réellement vrai. Ou même qui vivent en retard, peut-être avant arrivé, diable Joseph Jean-Baptiste, te fait une lecture ou non, qui trouvait dans Exode, chapitre 1er. Il te lit tout chapitre. Exode, chapter 1. The whole chapter. D'habitude, Exode signifie sorti. Mais maintenant, nous ne pouvons pas parler de sorti. Mais nous pouvons parler de monde qui est en dedans toujours. Dans Exode 1er, nous lions histoire vraie qui parlait de un peuple réel. Ou deux peuples, c'est l'a dit. Mais cependant, qui accentue plus sur un peuple, c'est le peuple Israël. La Bible est le peuple Israël, peuple bon Dieu. Bon Dieu choisit peuple ça de plein gré pour volonté, pour raison parle. Il relève le peuple en dépit de tout. Israël était peuple bon Dieu. Nous pouvons voir comment un jeune homme qui était arrivé au pouvoir et quand il prend pouvoir, il s'est monté avec une idée dans la tête des stratégies. Dans la tête, dans l'esprit, eh ben, pour te réduire peuple ça, pour te choinque peuple ça, et pour te opprimer et maturiser le peuple d'Israël, que la Bible est le peuple, mon Dieu. Il y a trois versets que nous parlons plus chita sur lui. Même si nous lisons tout le chapitre là, c'est pour compréhension. Cependant, trois versets que nous avons accentués sous yo, c'est verset 8 pour arriver dans verset 10. M'appelez-le pour vous. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ça, c'est le plan du nouveau roi
que la Bible pas bail prénom monsieur. Et cependant, l'Iséon pharaon à l'époque qui c'était une dynastie. Amen. Pour voir ça a été continué passer de père en fils, de père en fils pendant longtemps, des années. Ce nouveau roi était l'un d'entre eux. Il y a un pharaon. Monsieur Monté, il prend pouvoir avec de nouvelles idées, nouvelles déterminations peut-être. Ça a autant vendre là, pas trouver ça. Ou bien pas de gain de telle idée, ou pas de gain de telle direction, vous devez prendre. Mais monsieur Monté avec idée pâle, stratégie pâle. À la vérité, en bon sens humain, vous avez dit, monsieur a raison parce que tout le monde qui prend un pouvoir, que bon Dieu permet qu'il vienne en tête en pouvoir, li bon pour penser pour payer. Li bon pour oué ça qui est bien pour payer. Ah, il y a qui mal dans ça, peut-être. Li bon pour mettre payer avant tout. Sans doute, monsieur a dit, Egypt first. Même quand je vous dis, Donald Trump dit America first. Ça n'a pas de ça. Sauf que ça, Kamala, c'est stratégie ou quoi l'employer à la longue pour faire payer ou bénéficier de first ça qui est dans la tête. Ce roi alors, il est venu avec une stratégie. Parce que ouais, Israël a développé l'évangile, a poussé dans le coup de jonjon. Et M. Fonalise, il dit bon, si nous ne mettons pas là, dans la ça, si nous ne pas fouiner le peuple, ça, en 20 longtemps, les Égyptiens apparaissent, a devenu une minorité devant le peuple, ça. Et même si peut-être tu es capable de tête pour lever une bataille contre l'Égypte pour contre parce que tu es capable de faire des armes fait. Mais si tu as une autre nation qui t'a voulu, dit qu'il vient attaquer l'Égypte, eh bien si tu as fait coalition avec la nation, ça, eh bien il y a 20 Égypte facile et après tu as vidé les lieux qui te payent ça. C'est valade bandat. En le mot, on dit, monsieur, tu as raison en quelque part. Sauf que plan là, tu es deux parements avec plan l'éternel qui est pour peupler. Et maintenant, sujet, message donc, c'est un sujet créole qui est tiré. Plan l'homme, pas plan mon Dieu. Vous avez remis ça pour moi? Plan l'homme, pas plan mon Dieu. Plan l'homme, pas plan mon Dieu. Et plan mon Dieu tout, pas plan l'homme. Au nom de la matière, il y a toute qualité de monde qui a fait pour Jésus, qui a fait plan sous. Amen. Ouais. Tout le monde, Satan a fait plan pâle, gouvernement a fait plan pâle. Comment? Travail peut-être a fait plan, monde qui a fait plan, ou a fait plan. Famille a fait plan par yo, zami a fait plan par yo. Mais il y a un matin, mon seul plan qui est important dans toute place. C'est le plan de Dieu pour nous. Et c'est l'Alchita. C'est avec ça, nous chita sur le bloc de la tour. Ouais, tout le monde qui est posé, nous cool. Parce que nous avons chita sur le roche qui solide. Solide. Maintenant, nous voyons dans deux plans. Qui est-ce qui a remporté la maillole? Parce que vous connaissez l'éternel, par contre, perd du bataille. Égypte, Pharaon, il y a un plan pour le peuple chouek, pas développé, pas grandi. L'éternel dit, faut le peuple multiplier. Maintenant, pour nous avancer, nous parlons premièrement, c'est. Qui plan l'éternel pour le peuple Israël? Nous finissons avec qui plan? Pharaon Gebouli?
c'est pour tuer tout garçon qui a fait, tout petit garçon qui a fait. Détruisons. Ou pas lui, nous avons été payés par les trois femmes, par les garçons. Maintenant, monsieur, vous n'avez pas de problème pour le gérer, mesdames. Mais le problème, c'est monsieur. Donc, il faut une stratégie pour le débarrasser avec lui. Maintenant, qui plan l'éternel gagne pour peuple ça lui-même? Et pour qu'on ait sa rencontre, qui est Israël et tout? Qui est origine pour te sortir? La Bible dit dans Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3, à continuer sur le fond. L'éternel relève un seul monde. Moun sa te relè Abraham. Li di Abraham, ki te pey yo, ki se Karan, ki te patri yo, ale nan kote mwen menm l'Eternel, map djou pou ale. E lor rive la, map fè de ou, yon grand nation. Sa se l'Eternel ki sin yon bal, noa sur blanc. Ma faire une grande nation et toute nation sous la terre va bénir à cause de vous. Ça veut dire si moi vers au matin la loue les têtes nous bénit de l'Éternel, nous tirer bénédiction ça à tout à partir d'Abraham, de promesse. Moun qui maudit ou m'a maudit ou moun qui bénit ou ma béni yo. Signe l'Éternel des armées. Maintenant, c'est l'Éternel qui dit Abraham l'a fait de lui une grande nation. Descendant, il pour couvrir la terre. Ça, l'Éternel dit, c'est fini. Est-ce qu'on est qu'à camper qu'on y a pour dire, eh bien, ou même, ou qu'à empêcher plan l'Éternel accompli? Ça peut que j'en existe et m'a pas quoi la j'en existe. Puis le bon poil, l'Éternel a un plan pour tout bagaille. C'est lui, n'a pas dit, c'est lui qui est derrière de tout événement. Sous un bagaille arrivé, comme c'est l'Éternel qui vient, c'est volonté permissive. Mais pas dans rien qui est échappé. On va à vue, à vision, à intelligence. Dans Genèse 13, Genèse 15, verset 13, ou quoi le même l'Éternel ça d'avance avant même que Israël prenne naissance. Avant même que papa Israël fait. Il est en prédit. Il dit à Abraham, sache que, Genèse chapitre 15, verset 13, sache que tes descendants seront asservis dans un pays étranger. Deux générations avant, Israël a quand même fait. L'Éternel dit à Abraham, ma foi connaît que descendance pour pas guerre. Nation sa poil saute en roi. Nation sa poil a servi la caille, pour habiter la caille en l'autre nation. Yo poil immigrer la caille en l'autre nation. Quel pas bay non. Et y a prêté là yo gen pou yo opprimé yo avec que yo gen pou yo tortillé yo yo gen pou yo faire passer misère yo gen pou yo faire travail dur. L'Éternel gen t'en prophétiser ça longtemps d'avant. Israël pou prophète et y a prêté là pendant 400 ans non a enduré même. Maintenant, question ta posée, c'est pour qui ça l'Éternel permet ça arriver? I don't know. Mais le plein gré, le plein volonté, le ligue est en tout, la fédération aimait ça pour arriver. Et pour ouais, l'elfine dit ça, lorsqu'il est dans Genèse chapitre 17, verset 5, premier ça le fait changer dans Abraham. Abraham. Il dit Abraham, Abraham ou pas pour aller Abraham encore, mais on peut aller le Abraham. Dans le même chapitre 17 encore, puis devant, dans verset 15, je ne m'abuse, il dit, il changeait non Sarah, tout, madame Abraham.
Il dit, ou pas prendre le Sarah, il y a encore moi prendre le Sarah. Et à partir de ce moment, il fait promesse à Sarah. Il dit, Sarah, ma barre un petit garçon. Maintenant, là, on continue à lire, puis devant, on va joindre prophétie, sa promesse s'est accomplie dans la naissance de d'Isaac, qui est petit garçon. Bien que Abraham, pas de 4 ans, il a fait un mouvement bachal, et il a dit, c'est moi qui t'ai dit, ma barre un petit, et ma barre un petit démagogie. Je vais accomplir la mission, la promesse que je n'ai à partir de petit, on prend sous-côté en bachal, même d'où ma bonne petit, ma bonne petit. Et là, je fais une promesse là, oui. Parce que Abraham laisse ça dans un siècle, 100 ans. Et Sarah a 90 ans. Comment on va dire les pères 100 ans pour aller petit? Comment on va dire une dame de 90 ans, de détourner le tuyau? Et vous ne savez pas dire que petit pour le baguette tété. Sarah rit. Pareil, Sarah. Mais cependant, l'éternel va faire live moon. Parce que c'est lui qui conforme, c'est lui qui contrôle de lui faire quoi. Amen. Il va qu'on a fait ou à vivre dans le temps, vivre dans l'éternité. Et que l'éternité n'a plein mer. Saldia, c'est fini. Effectivement, dans la même année, Sarah tombe enceinte. Et Sarah vient faire un petit garçon qui relève Isaac. Et quand Isaac ou pas loin, Isaac vient faire deux petits garçons. Il y en a Isaïe, il y en a Jacob. Maintenant, dans Jacob encore, il va changer dans Jacob, les rencontres paternelles, et il va changer dans monsieur de Jacob à Israël. Et c'est Jacob ça va faire 12 garçons. Et 12 garçons, ça y est, constituer les 12 piliers du peuple, les 12 tribus d'Israël. Maintenant, ces 12 monsieur Sayo, avec papa, yo, qui s'est arrivé dans Canaan, et la Bible dit, l'Éternel a rangé les choses bien. Monsieur font complot, yo, vend Joseph, avec Israélite, qui revend sur encore avec Égyptien, Joseph vient tomber en Égypte. Et voilà ce Joseph qui est vend comme esclave. L'Éternel fait chemin, il est en rangé cabane, parce qu'il connaît le peuple pour aller venir en Égypte. Il faut qu'il est en rangé cabane. Il faut qu'il fait préparatif pour le peuple. Ça. Et il fait Joseph tomber en Égypte. De esclave, Joseph subit une transformation d'esclave à premier ministre. Qu'on y a ce Joseph qui pourrait râler, peuple à la famine qui tombait, et dans Canaan, pas de manger. Qu'on y a Joseph en Égypte, Égypte de manger, et Joseph pourrait traîner famine entièrement, venir en Égypte. La Bible dit, sous l'exode première, gagner 70 mounes. Famille est en grandi revenant au nombre de 70. 70 mouns sorti en Canaan, rentré en Égypte. 70 familles qui composaient peuple d'Israël. 70 mouns sont arrivés en Égypte, ils ont commencé à faire petit. Parce que c'est ça l'Éternel a dit. Peuple a vu une grande nation, et mais fort peuple a devenu une grande nation. C'est 70 mouns commencer à peupler. Fais petit, fais petit, fais petit. Grand monde a mouru, mais dame a fait petit. Maintenant, c'est le ça. Il est en train de commencer tellement peuplé. Et puis, c'est dans l'époque peuplée ça que nouveau roi ça, qui se pharaon ça, il prend pouvoir. Je vais voir son danger lié pour Égypte. Si on parle fond gens avec le peuple ça, Jean-Monsieur Dame Sayo a fait caler petit dans le coin, on l'a fait petit ici. Si on va dire un mot, eh bien, il y a un pays. Donc, pour y là, monsieur, première stratégie de loi, c'est empêcher, premièrement, mettre des travaux. Parce qu'il dit, allons, là, il y a verset 9 là. Il dit, ça son peuple. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissants que nous,
Verset 10 dit, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il ne. Et que s'il survient une guerre, etc., il ne se joigne à nos ennemis pour nous vaincre. Donc, monsieur dit, fais en gens. Et premier, ça a commencé à faire torturer le peuple. Faire un travail dur. Monsieur, du matin jusqu'au soir, il a levé briques, brassé mortier, construit building, construit ceci, construit cela. Du matin, travail dans le jardin, du matin jusqu'au soir. Et on dit, les gens ont fait de l'eau, les gens ont fait de la caille, c'est de l'étranger. Alors, ils se sont dit, ouais, madame. Mais c'est le contraire pour M. Sayo. Plus les gens travaillent, quand ils ont fait de la caille, tchaf, et la manger. Petit continue à faire, petit continue à faire. Tout autant, les gens sont fatigués, ils font plus petit. Monsieur dit, bon, ça va marcher. En nous, il faut pour nous détruire petit, qu'on les a fait. Et, il y a les mesdames sages. Fabio, qui, majorité de l'Église égyptienne, il dit, bon, mesdames, aidez-moi, pour moi, c'est ma fin avec M. Samuel. Qu'on y a des pions femmes et hébreux, gros ventre, ils ont eu l'air pour accoucher au relais nous. Eh bien, pendant la prière, les petites là, ils ont fait un genre tout fait. Râlez, mesdames, dehors, pèsez couillons. Vous comprenez? Ils ont tout mouru. De quoi, pour, ils n'ont pas continué à peupler. Mais l'Éternel est en convaincre l'esprit, mesdames, femmes, sages, et ils n'ont pas obéi à la loi Pharaon. Ils ont fait son crime et ils ont joué l'ordre de préférence. Ils n'ont pas obéi à l'ordre. Mais là, ils ont continué à faire petite pirène. Et ils ont dit, de qui ça peut être? Comment dire? Ils ont dit, non, depuis qu'ils ont fait, ils ont dit, oh, les noutures. Mesdames, ils ont dit, non, mon roi, vive éternellement. Mais contrairement, mesdames, ils ont dit, ça n'est pas tant pour nous-mêmes. Mesdames, vous avez force sur vous. Même là, vous avez nous avant même que nous arrivions, mesdames, vous avez le temps pour ces petits. Pour les petits, vous n'avez pas besoin de faire des ventes, vous avez besoin de vous tuer nous tous. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas faire ça, nous n'avons pas qu'à arriver. Vous échouez encore. Mais est-ce que c'est vous qui avez voulu faire ça? Oui. Non! Parce que c'est l'Éternel qui contrôle la situation. Et l'homme n'a pas qu'à combattre plein, mon Dieu, plein, l'homme n'a pas qu'à combattre plein, mon Dieu. Bon Dieu dit, fuck, peuple là. Peuple, faut qu'il multiplie, faut qu'il remplit terre, faut qu'il devenir une grande nation. Pour qui doit ou même pour dire non ou même faut qu'on campe en quoi, il n'y a pas de droit de peuple. Et, monsieur échoué encore. Et le poil passe sur l'autre, l'autre, il devait dire, ok, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout le peuple à passer l'autre, il y a, il est bon, il y a, même monsieur, qu'est-ce qu'on fait? De vous croiser avec un petit garçon, il est bon dans la rue. Bon, la tête est en bas d'affaire là. Dieu, et pour pas avoir rien qu'à priver. Ou pas avoir de problème parce que c'est moi-même moi qui suis d'accord avec ça. Et encore, loi ou l'autre par monsieur a passé flou encore. Il va réussir. Maintenant, ça nous réalise là, nous croyons que, comme nous te disons, bon Dieu a un plan pâle pour le peuple. Matin ou pas Israël, c'est sûr. Israël est le peuple, bon Dieu, mais pas oublié, moi, avant qui chita là matin, nous relais comment? Peuple, bon Dieu. Je ne vais pas parler d'une façon générale pour tout le monde qui est là. Oui. Nous sommes le peuple de Dieu. En même temps, nous relais immigrants, pays ici, pas pays, non. Histoire semblable avec tout est coupé. Sauf que, jusqu'à présent, grâce à Dieu, nous pouvons notre travail forcé à battre mortier. On prend toute la Seigneur. Si nous faisons trois, c'est nous qui voulons. Si nous faisons trois jobs, c'est nous qui voulons. Mais le gouvernement pourquoi instituer de lois qui nous permettent de faire travail en dehors de volonté. Mais pas oublier, nous sommes des immigrants. Et, bon gouvernement qui montait. Dans le pays américain actuellement. Et ça vous parle de là pour les gens qui informent qu'on est déjà. Mais si vous-même qui parlez de faire nouvelle, qui parlez de ce qui a passé, laissez-nous sauver. Gouvernement qui montait actuellement là, qui sont gouvernements républicains, qui sont étonnants pour le monde entier.
Parce que malheureusement, mon là qui t'a la matin. Si nous posons une question, comment Donald Trump fait président américain? Vous comprenez? Tout le monde gardait son bagage qui étonnait le monde entier. Moi-même, le soir des élections, là, Ayman, moi, je suis off pour suivre le résultat. Les gens qui suivent le résultat, 29, 10 heures, ils sont dormis pour me donner la bonne. Télévision a été tout le bruit. Les gens qui me réveillent, pendant que je dormis, madame, je suis fait mes télévisions. Comme pendant que je dormis, le premier, ça me ferme mes télévisions. Parce que je vais regarder pour moi, côté Hillary, après, pour prendre démocrate à sauter mon pied. Les gens regardent, moi, télévision, votre c'est ces chiffres qui passent. Dans notre job, chiffre, dans notre job, chiffre, dans notre job. Je me lève, je me protège, je ne sais pas. Je me fais un peu de mettre les lunettes. Moi, chiffre dans notre job, chiffre dans notre job. Je ne crois pas que encore. Nous, on va dire que je suis mal. Je ne crois pas encore même bagaille là. Dans notre job, dépasser 200-300 combien ou bien 200 combien électoral vote. Je vais aller dans la télévision, je vais faire bout de la machine dans ma bonne. Je vais me dire, comment ça fait arriver? Je même dans un rêve. Je vais dire, pour que l'élection déroule là, je ne suis pas fasciné trop pour les choses. Mais ça, me tellement clair qu'on est démocrate pour moi encore. Je vais regarder, moi, c'est Donald Trump qui est président. Je vais coucher, je vais tête, je vais mettre des oreilles, je vais virer tête, je vais me dire, encore. Pareil là, ma pensée, comment cela peut-il se faire? Mais cependant, il y a raison pour l'autre, le président. Et le président, le président. Oui. Le président tout américain. Cependant, ça va écrire là pour ne pas écrire au hasard. Il y a un plan qui est bien déterminé, bien conçu, derrière nos stratégies. Ça va écrire là. Même Jean-Paul ou Pharaon, ça a été un problème ça. Ou un groupe blanc qui est le tête vrai blanc ici, blanc évêque, qui est le blanc européen qui sait quoi que, c'est eux qui détentent, on va dire, réel de pays américain. Ils ont dit pays, c'est pour eux. Et ils ont réalisé que gagner un problème avec M. Démocrate Sayo, qui considère comme un laralas. Voilà, voilà, ça va descendre du côté toute sa joie. Donc, monsieur, ouais, démocrate, c'est la valace, oui. C'est un démocrate qui rejoint toute qualité de tendance. Ou un noir, ou un rouge, ou un pas espagnol, et j'ai rejoint toute qualité de monde. Ou un musulman, ou un tout. Et regardez, ouais, bon mouvement ça. Si on parle de moi, et puis au Fresnel, somehow, dans quelques années qui viennent, et même blanc pour aller vraiment réduit à une minorité ici. Amen. Blanc a perdu sa crelée, la voix au chapitre. Blanc a perdu pouvoir. Et blanc n'a pas d'accord ça. Et il y a un blanc qui dit, puis de passer sous cadavre. Il a combattu ça jusqu'au dernier soupir. Il n'a pas bail immigrant pays. Maintenant, avec intelligence par yo. Ils ont joué politique là en façon, pendant que les démocrates abroument pour le peuple, la populace, ils ont même fait élection pour l'autre trajectoire, ils ont même mené une campagne, collège électoral. Parce que vous connaissez ici, peuple pas les monde, oui. C'est le collège électoral là qui met le monde président. Donc, bon, même si là, il y a bat-col, prend peuple, il fait bruit, nous-mêmes, nous parlons des collèges électoraux là. Parce que pour la majorité de c'est blanc, oui. Et ils ont tous gagné la même devise là. Ils n'ont pas voulu pour les immigrants pour un pays à la main. Et c'est ça qu'on a mené. Ils ont mené une stratégie en silence, en bachal. Et, ou pas, ouais, il a gagné combien de millions de votes en plus que Donald Trump, mais Donald Trump prend le pouvoir. Maintenant, ça, on dit, ça, on a qui stratégie Donald Trump? C'est sur ça qu'on a campagne. Les mêmes les dons que, eh bien bon, affaire de, on prend l'autre immigrant, après pour un pays, pour un job, pour un bagage, ça finit. Donc les mêmes, il pas dit l'affaire au travail, mais il dit, il a commencé par pimper, tourner la caille. Non seulement la pimper, tourner, mais la mettre miraille tout pour pas rentrer. Il barre,
et souvent dans la voie au tourner. Maintenant, des gens qui disent bon, et ils disent tout, c'est la commencer avec bad people. Les gens qui sont illégal, son façon de parler, ça c'est politique. Maintenant, les maladies pour le tuer, ils vont tuer pour commencer un jour, ils vont petit, ils ont un cancer. Ils ont commencé avec des grands bad people, des grands bad, mais ou mettre mark my word. Ou pour aller vivre plus devant, là, prend toute couche sociale là. Depuis ces blacks, oui, depuis ces immigrants spanish ou bien, ou aller vers musulmans, pour nous sortir, il y a prend nous, il y a un l'autre. Maintenant, nous ne connaissons pas ça qui est dans le plan, mon Dieu.